L'heure a sonné. Le serpent polycéphale d'Arès ne laissera pas la cité de Thèbes en paix, et plus elle s'étendra, plus il causera de problèmes. En outre, vous pourriez profiter du marbre sur lequel il semble monter la garde. Pour le bien de la cité, le serpent doit être tué. Un être humain ordinaire ne peut toutefois pas accomplir cette tâche extraordinaire. Il vous faut l'aide d'un héros. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour la mission 2 de l'aventure Zeus Europe. Notre objectif, c'est de produire 48 blocs de marbre en une année. C'est un objectif réalisable. Ce qu'il faudra faire, donc évidemment, pour ceux qui ont suivi la série, enfin le premier épisode, c'est tuer l'Hydre. Et il nous faut un héros. Et qui a tué l'Hydre? On va appeler, c'est Hercule. On peut tout de suite construire le temple d'Hercule, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc je vais bâtir le temple là. Déjà, on va regarder un peu les besoins. Il nous faut un excellent accès au gymnase, une victoire au jeu panhellénique, 1500 personnes restées, 32 amphores de vin, et que le temple ait un bon accès à la culture. Et bah déjà, on va commencer par faire... On va mettre le stade, je pense, pour débuter. Derrière, je vais mettre... J'ai peut-être une idée pour les sculptures, tiens. Je vais en prendre la moitié seulement, il y en a 16. Mais je me dis, ces sculptures peuvent nous être utiles pour plus tard. Je vous en dis pas plus. Ok, donc il nous faut quoi ensuite? Un collège et une école de théâtre. Comme ça, Hercule aura accès à tout ce dont il a besoin. Parce que Hercule, c'est peut-être une bête de combat, mais ça n'empêche pas qu'il ait mis la culture. 8 sculptures, c'est gardé. Accès limité, excellent accès, c'est parfait. Les 1500 personnes ne vont plus tarder, je pense. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est... Hop. On va redécorer la cité, j'avais bien fait de garder des slots. Très très bien. Ça donnera plus d'attrait à ce quartier. Et je vais commencer, je pense, à bâtir un nouveau quartier. Je vais bâtir vers le nord, comme on a des plaines. Attention toutefois aux loups qui sont présents, pour les moutons ou les chèvres. On a le vin qui arrive pour Hercule, c'est parfait. Il nous faut 32 enfants, on en a déjà 16. Du coup. Parfait. Je vais tout de suite bâtir l'agora. Les jeux pitiques qui démarrent. Donc là, c'est tout ce qui est... C'est pour les acteurs. Hein. Ok. Est-ce que j'aurai cette place là? J'espère que ça va passer. Les jeux pitiques... Les acteurs de les jeux. Ok, bon, c'est très bien. Nos acteurs ont emporté les jeux. Je renforce tout de suite la route. C'est pas mal. On est plutôt bien. Les gens vont me dire, ouais, les gens mangent déjà trop. Donc là, ce que je fais, je vais tout de suite bâtir la maintenance. Ok. Je vais tout de suite construire les avenues ici et là. C'est plutôt bien. Est-ce que le théâtre pourra rentrer là? J'ai juste peur de ça. Ouais, ça passera, ça va passer normalement. C'est pile poil. Bon, c'est un peu mal optique sur le coup, mais ça devrait pas trop poser d'ennui. Je vais tout de suite construire ceci. Un grenier. Un barrage routier là. Pour éviter que les marchands, enfin les colporteurs, comme on appelle ça, vont mettre leurs marchandises ailleurs. Parfait. Donc là, les marchandises sont en route. Enfin, hop. Donc on a placé de l'eau. J'en place des deux côtés, évidemment. Je place tout de suite le gymnase pour l'excellent accès à la culture requis. Parfait. On a les 16 amphores de vin. Et on a une victoire au jeu panhellénique que j'ai loupé. Mais c'est pas grave. Donc, il est temps d'appeler le seul et l'unique. J'ai nommé
Hercule. Je suis Hercule, et un défi me tend très bien. Qu'avez-vous à me proposer ? Le début des Jeux Olympiques. Ah ah, bon, on va avoir des monuments en masse là. Je surveille l'arrivée d'Hercule. Je regarde un peu les dates aussi. Je vais ralentir pour que vous puissiez profiter du combat. Bon, je mets en accéléré. Bon, vous me direz si vous voulez que je change dans les commentaires. Donc, j'ai tourné le premier épisode comme ça, donc on verra. Alors. Vous avez fait quelque chose que quelqu'un n'apprécie pas beaucoup. Ah bah oui, bah faut dire ça à celui qui m'en veut. Hein. Moi, j'ai rien à voir, monsieur Hercule. J'ai quand même un peu débroussaillé ici, ça nous est utile. Allez, Hercule. Et voilà. Hercule, exterminateur d'hydres, à votre service. Ça nous libère la carrière de marbre qui va nous être utile pour la suite. Donc, je ne vais pas construire tout de suite. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Donc là, on a les 5. Là-bas, on va améliorer un peu notre quartier. Je vais aussi le décorer parce que, voilà, c'est pas parce que qu'il y a un quartier qui a le droit et pas l'autre. Belvédère. Belvédère, Belvédère. Voilà, c'est très bien. Il suffit juste de rajouter quelques jardins d'agrément. Et je viens de voir que nos participants ont remporté les JO. Félicitations. Donc on gagne encore des monuments. Donc, et on va les garder en réserve, vous comprendrez pourquoi. Ils vont nous servir. Au niveau du cachet, on est plutôt bien. Il y a de la nourriture, il y a de l'eau, il y a du gymnase. Ah mince, je me suis trompé, j'ai mis un marchand bien, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nourriture qui part. Je vais tout de suite mettre une épicière pour remplacer. Derrière, est-ce que je peux mettre des exploitations de blé? Oui. Je vais commencer à commercer ici. Par contre, je vais plutôt placer aussi maintenant cela. On a du chômage. On va garder le taux de chômage. Enfin, quoique. Je vais peut-être placer tout de suite un poste de commerce pour. C'était qui? C'était le Montpellion ou Argos? Je sais plus. Oui, pour la cité du Montpellion, on va revendre un peu de blé qu'on en surplus. On va en vendre 12 à chaque fois, je trouve que c'est raisonnable. Bon, ça coûte que 30 à la vente, mais 30 x 24, ça fait 720 drachmes. C'est toujours ça le prix. Je vais aussi faire un hôpital. Un palais de garde et surtout un hôtel des impôts. Alors, là en novembre, je surveille le temps, je vais faire une petite sauvegarde avant. Je vais déjà préparer la production de marbre. Il y a juste la taille, c'est combien? C'est 2 cases, je crois. Ouais, c'est 2 cases. Je vais tout de suite faire ça. On aura 6 carrières de marbre prêtes à extraire du marbre. Oui, je sais, on recrute. Ensuite, marbre. Zoom, marbre. Ok. Je vais tout de suite mettre une maintenance ici. Une maintenance là, on a 6 carrières, ça devrait être largement suffisant. Et là, c'est pareil. On est plutôt bien. En plus, on a des sculptures ici qui vont nous servir plus tard. Je vais vous comprendre un peu l'intérêt. Ouais, c'est bon. Je vais tout de suite accélérer un peu. Est-ce qu'on a produit du marbre encore? Non. Je surveille quand même le temps. Il nous manque 19 ouvriers. Ça va. Ça pourrait être pire. Là, j'ai un deuxième quartier qui est prêt en réserve. Donc là, on ramène nos blocs de marbre et ça va être lancé. Je vois s'il n'y a pas de problème d'habitation. Pour le moment, j'en vois pas. Douze, allez. Vous pouvez le faire, messieurs. 18. On a passé le tiers de l'objectif. 24. Bon, vous accélérez là.
On a perdu du Smic cette fois, dommage. On a 32. Allez. Vous pouvez le faire. Envoi de 10 chevaux de laine pour Calidon. Allez. On a 40, il manque plus de 8. Allez. 7, 6. Oh oh. Ah mince. Une école de théâtre a été détruite. Je vais tout de suite mettre une autre maintenance là. Tiens, je vais voir un peu ce que pense Hercule. Tiens, par curiosité de notre cité. Cette cité est sans pareil. Hercule adore Thèbes. Donc, bah, merci à toi d'apprécier la cité de Thèbes. Donc là, après, prochain scénario, je continue de développer ce quartier. Je mettrai de la laine dans un bien foulé. Et aussi l'huile d'olive pour plus tard. Allez, je vais faire une petite sauvegarde. C'est pas Thèbes 1, ça va être Thèbes 2 ici. Normalement, on a gagné, je pense. Le serpent est mort, pipoil. Mais l'inquiétude subsiste. Arès aimait bien son serpent, et il est très mécontent de savoir que vous êtes à l'origine de sa disparition. Athéna, la déesse de la guerre, de l'artisanat et de la sagesse, est venue collecter plusieurs dents du serpent dans un but mystérieux. Peut-être pourra-t-elle vous indiquer comment regagner la faveur d'Arès. Très bien, donc apparemment la mort du serpent a mécontenté Arès, ce qui est un peu logique. Hein. Mais bon, en même temps, si Arès surveille un peu mieux ses créatures, bah, elle se baladerait pas tout n'importe où, grosso modo. Donc voilà, donc c'est la fin de cette mission 2, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Et dernier détail concernant la playlist du jeu, donc je ne vais pas vous faire une playlist par aventure, je vous ferai une playlist du jeu complet. Et je changerai juste de miniature à chaque aventure. Et je mettrai juste le nom de la mission, mission 1, mission 2, etc. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Kaiser von Kerstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.